Ils étaient des centaines. Certains l'attendaient depuis plusieurs heures dans l'espoir de décrocher une précieuse photo. Clémence Bottineau, la nouvelle Miss France, a véritablement conquis le cœur des Guadeloupéens. Elle est magnifique, elle représente la Guadeloupe, donc c'est ce qu'il y a de plus beau. Surtout qu'à chaque fois on est première ou deuxième dauphine, donc ça fait plaisir de représenter la Guadeloupe en tant que Miss France en tout cas. On a Miss France et puis la première dauphine de Miss Monde, alors bon, hein. Avec en plus le petit Mister Guadeloupe qui est là. Donc oui, quand même, il y a du beau monde qui sont là. Nous sommes très fiers de sa beauté et elle représente, mais vraiment sublimement, la Guadeloupe et la France. On est tous fiers de venir aujourd'hui ici parce que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe. Miss France, Miss Guadeloupe, c'est vraiment super, incroyable. Cris de joie, chants traditionnels et bouquets de fleurs, la nouvelle Miss France est accueillie comme une reine. Quelques semaines après son élection, elle est encore surprise de sa popularité. Face à tant de sollicitude, la jeune femme ne peut cacher son émotion. Dans l'effervescence des retrouvailles, la Miss se prête même à quelques pas de danse aux côtés d'Ophélie Mézineau, récemment sacrée première dauphine de Miss Monde. Et au milieu de tous ses admirateurs, sa famille qui peine à se frayer un chemin jusqu'à elle. Les parents de la jeune femme avaient hâte qu'elle rentre. On est content, on est heureux, on est excité, on a envie de la voir. Moi j'ai envie de partager surtout un moment tête à tête avec elle. Qu'elle puisse m'expliquer, comment se sont déroulées ces deux dernières semaines. Semaines pendant lesquelles je l'ai laissée en France. Donc voilà, j'ai hâte d'être en tête à tête avec elle. Voilà. Bon, mais là, comme l'avion vient d'atterrir, bon, c'est de l'impatience parce que j'ai envie de la voir. Et puis après, beaucoup de fierté et puis de la joie, hein, du bonheur. Ces quelques jours en famille seront sans doute vivifiants, mais ils seront de courte durée. Viendra ensuite le temps de repartir pour poursuivre cette aventure Miss France qui ne fait que commencer.